Bienvenue sur la chaîne Mystice et Fibrae. Mystice et Fibrae, c'est ma chaîne. Moi, c'est Pauline. Et je vous retrouve aujourd'hui pour ce 13e jour de Vlogtober. Et non, cette année, le 13 n'est pas un vendredi, mais un jeudi. Pour le mois d'octobre, pardon. Vous êtes ici sur un Vlogtober. Ma chaîne est généralement consacrée aux loisirs créatifs en rapport avec les arts du fil et de la fibre, d'où le Fibrae. Mais j'ai aussi cette passion secrète pour certaines branches mystiques, on va dire, d'où le mysticé, en fait. Voilà, ça se retrouve dans mon nom de chaîne, parce que moi c'est Pauline du coup. Pour changer un petit peu et puis varier un petit peu de ce qui est proposé sur les chaînes tricot, je dirais, pour le Vlogtober, et bien j'ai décidé de profiter du Vlogtober pour me donner un petit coup de pied aux fesses et commencer l'étude des runes et des oracles. Parce que c'est quelque chose que j'ai envie de faire depuis un bon moment et j'avais pas trouvé la motivation. Donc je vous utilise littéralement pour m'assurer la motivation. Et ça marche super bien, merci. Donc pour ce Vlogtober, maintenant comme on est déjà au jour 13 de Vlogtober, j'ai un petit rituel. Nous commençons en général par regarder l'almanach des sorcières, voir quel est le saint quand il y en a du jour, le génie du jour, s'il y a une recette faisable, ce qui n'est encore jamais arrivé depuis que je regarde cet almanach, si voilà, les images qui apparaissent. Voilà. Ensuite, quand il y a des questions, je réponds aux questions. On étudie une rune par jour. Comme ça, ça nous laisse le temps de bien infuser la rune, entre guillemets, et puis on tire une carte. Voilà, c'est comme ça que ça se passe. Donc, eh bien, nous allons commencer tout de suite avec notre cher almanach de la sorcière qui est là avec nous. Yep, nous y voilà. Nous sommes donc le 13 octobre. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? On n'a pas de saint. Par contre, nous avons le génie Veiel qui vivifie toute chose, protège contre l'adversité et contre les animaux féroces et maléfiques. Voilà, voilà. Alors, le parfum du jour d'anniversaire, c'est le géranium, le muguet et le gaillac. J'ai l'impression que je vous l'ai lu hier, ça, non? Ah non, c'est juste que c'est la même chose qu'hier. c'est un jour de chance pour plein de choses, encore une fois. Et recette du jour pour apaiser un conflit amoureux, il faut des grains de café, de l'eau de vie, ah c'est pas mal ça, de l'eau bénite, donc on trouve tous les jours bien sûr, une gousse de vanille et 3 étoiles d'anis. C'est presque faisable aujourd'hui. Avez-vous des conflits en amour? Si vous l'avez, je vous enverrai la photo de la recette du jour, d'accord? Voilà les images, nous avons des hommes et des femmes qui chassent les serpents de mer et un ange qui terrasse le démon. Des anges qui terrassent les démons. Et alors, moi, ce que j'adore, c'est quand même la légende en dessous des anges qui terrassent les dragons, quand même. Jour favorable pour gagner un procès. Mais why? Alors, je vous montre tout ça. Hop là! Donc, on est bien 13 octobre, voilà. Alors, la première iconographie, ouais, donc c'est des humains qui chasse ça. Et voilà. Voilà. Alors, je viens de me rendre compte que j'ai encore oublié de mettre le micro. Ça va que le son, normalement, n'est pas trop pourri sur l'appareil photo, mais un petit peu... Enfin, voilà, la prise de son ne se fait pas aussi bien qu'avec le micro. Bien, si nous étudions notre rune aujourd'hui. Alors, Agathe m'aurait fait. C'est note aujourd'hui. Note la croix. Alors, note. Déjà, je vais la prendre. Ok. Excusez-moi, petit chien dans la gorge. Comme d'habitude, on commence par regarder mon oracle des runes que j'ai acheté en Irlande il y a de cela presque... Ouh, bah plus de 10 ans, presque 15 ans maintenant. Et après, je vous dis ce que j'ai réussi à lire sur cet oracle. Alors, je vous montre la page juste pour que vous ayez peur. Voilà, j'ai bien gratté sur celui-là, hein, il m'a inspiré. Donc, attention à vous. Allez, on y va. Note. Ouais, d'abord le signe, donc cette espèce de X pas droit. Ou de trait barré, je sais pas, vous voyez ce que vous voulez. Son nom, note. Son numéro, le petit 10. Et son
son et lettre, le N. Alors, que nous dit la carte? Bon, là, on n'a pas l'air en super forme, on est d'accord? On a cette couleur rouge qui, en règle générale, quand elle apparaît sur la carte, aussi peu présente, fait partie des références de la carte, je ne sais pas pourquoi. On a bien la forme toujours de la rune. Et on a la terre, l'air. Je sais pas, j'ai l'impression que la terre est en feu, mais je pense que c'est juste l'image. Et l'arbre est clairement, enfin c'est un arbre en automne-hiver, quoi. On n'est pas sur du... peut-être un lever de soleil, ou alors je vous dis, l'arbre a cramé, clairement. Je ne sais pas. Qu'est-ce que ça nous dit? Alors, note son veut dire, ou besoin, nécessité et tempérance. C'est vrai que je vois bien le temps qui passe. Après, le besoin, nécessité, j'ai pas... Bon. C'est une rune femelle dont l'élément est le feu. Eh, j'étais pas trop loin. Ses divinités sont Nod et Skund. Non, attendez. Si, Nod, Skund. La Skund, c'est la norme de l'avenir. C'est dur à dire. Ses plantes, le sorbier des oiseaux, le hêtre ou le serpentaire. Les animaux sont les canidés. Rouge et noir, et voilà. Attention, vous êtes prêts? Je me rhabille parce que j'en ai marre. 1, 2, 3. En rouge et noir, j'ai cherché ma peine, je crois. Après, c'est tout ce que c'est de la chanson. Bon, le noir, le machin là, et le rouge autour. Je vous avais dit que la couleur serait rouge. Hein. À chaque fois, il nous fait le coup. Pierre, onyx, opale et obsidienne. Donc, c'est des pierres qui sont quand même relativement connues pour être assez noires, assez foncées. Sagittaire, scorpion, Mars et Pluton en astrologie. Alors, on y va pour la pratique magique. Elle augmente le pouvoir magique et spirituel, elle stimule l'inspiration et travaille sur la paix et la sérénité. Rituel de défense contre les mauvais sorts ou les attaques magiques. Alors, je sais pas vous, mais pour ce qui est de la paix et de la sérénité, je trouve qu'effectivement cette carte, elle incite à la paix. Je sais pas si c'est l'arbre qui est pas en forme. Il n'y a pas un mouvement, il n'y a pas un brin d'herbe. C'est, ouais, pour moi c'est calme, avec le rouge au fond qui... Ouais, je sais pas. Alors, en divination, elle représente le devoir de se libérer d'une contrainte. Dépasser quelque chose qui nous semblait être un besoin, souvent créé par une absence ou une peur. Invite à se débarrasser de ce qui n'est pas nécessaire dans notre vie. Là, clairement, il s'est débarrassé de tout l'arbre, hein. Même ce qui est nécessaire. Symbolise l'épreuve ou la période d'apprentissage. Je me cache. Souligne la possibilité d'évolution ou de mouvement par le sacrifice. Suggère de commencer par apprendre à se connaître et faire preuve de patience. Les choses viennent en temps voulu, quand nous sommes prêts. Pas de décision hâtive, prudence dans les choix. Alors, qu'est-ce que je retiens? Je crois que je ne l'ai même pas dit hier, ce que je retenais. Moi, toujours pareil, avec cette carte, et ce que j'ai lu, ce que je vais retenir, ça va être effectivement la patience et laisser le cours des choses aller. Parce que pour moi, un arbre, c'est ça, il pousse doucement, suivant son rythme, il ne peut pas aller plus vite que la musique. Voilà. C'est vrai qu'il parle de sacrifice, peut-être que... Alors, encore une fois, si l'arbre a effectivement cramé, du fait du feu derrière, là, je sais qu'une terre brûlée est souvent plus fertile qu'une terre... Enfin, le fait de brûler la terre peut entraîner la fertilité, donc pourquoi pas cette idée d'une évolution par le sacrifice. Voilà. Bon, moi je vois donc le temps qui passe et la patience, quoi. Voilà. C'est tout pour notre carte note du jour. Est-ce que j'ai autre chose? Emma, écoutez, quelle heure est-il? 7, on est très très bien. Je vais garder le même oracle qu'hier parce que toujours petite contrainte de temps, tout ça travaille. Donc on va y aller comme ça. Donc on retourne sur la mission de vie parce que j'ai bien aimé hier. Et puis vous avez été super, super dans les commentaires.
le soldat de lumière. Alors, très très jolie carte. Pour une fois, pas d'inspiration féminine, c'est plutôt pas mal. Ça, je... Hop, voilà. Donc encore une fois, on a l'iconographie ici qu'on va étudier. On a donc le nom et une date à laquelle je ne me réfère pas vu qu'on parle pour moi d'aujourd'hui ou demain suivant quand vous regardez. Alors le soldat de lumière, on a des forêts, une forêt, une montagne enneigée. Et pourtant la temporalité est de juin, c'est plutôt rigolo, non? Oh, alors on a dit que n'oubliez la temporalité. On dirait même qu'il neige. Ouais, il neige. Donc c'est un... On est la nuit, il neige, on est sur une ambiance un petit peu sombre hein, quand même. Avec un personnage ici tout noir, mais bizarrement pas négatif, plutôt contemplatif. Ouais, on est sur... Contemplatif, il voit les choses passer. Pas acteur, mais... Alors surveillant, non, je trouve pas le mot. On n'est clairement pas sur de l'action, mais sur de la contemplation. Ouais, j'ai déjà dit, ouais, contemplation, regarder les choses se faire, pas forcément être dans l'action, mais dans l'attente. Voilà, la lune, elle est représentée sur toutes les cartes. Donc je ne vais pas en faire référence, si ce n'est qu'effectivement, hier, on a eu plusieurs lunes qui montraient un temps, une dimension de mouvement dans les saisons. Là, clairement, voilà, on est dans l'immobilité, même dans la lune. Donc voilà. Donc, voilà, c'est la fin de ce Vlogtober pour aujourd'hui. J'étais encore ravie de venir vous voir. J'espère que vous avez appris plein de choses. Dites-moi ce que vous pensez de la carte du jour, le soldat de lumière. Ce que vous en ressentez. Si c'est cohérent avec plus avec ce que j'ai lu qu'avec ce que j'ai dit. Parce que du coup, c'est pas trop pareil. Et voilà. Et puis bien sûr, de la rune, dites-moi ce que vous en pensez. Nous, on se retrouve demain pour le jour 14 du Vlogtober, une nouvelle rune, une nouvelle page de l'almanach des sorcières, un nouveau tirage de cartes, peut-être des questions. Voilà. Comme d'habitude, on se retrouve demain.